En 1991, l'URSS s'effondre et l'Ukraine accède à l'indépendance. Mais l'influence de la Russie reste forte, en particulier dans le sud et l'est du pays. Dans ces régions, le russe est parfois la langue maternelle de plus de 60% de la population. Bien sûr, la langue n'est pas le seul critère à prendre en compte pour saisir la complexité de l'identité ukrainienne. Mais c'est une raison essentielle de la volonté séparatiste des russophones qui ne veulent pas voir leur langue marginalisée ou discriminée, ce qui explique leur envie de demeurer dans un espace où on parle russe. Les demonstrateurs clash avec la police, avec hundreds of thousands protesting the results of the election and calling for a new vote. L'élection présidentielle de novembre 2004 marque un tournant pour l'Ukraine. Elle oppose deux victoires. Le libéral Yushchenko, tourné vers l'Occident, et le pro-russe Yanukovych, soutenu par Vladimir Poutine. Yanukovych est donné gagnant du second tour, ce qui provoque le soulèvement des partisans de son rival. C'est la révolution orange. Le résultat de l'élection est finalement annulé par la Cour suprême sur fond de soupçons de fraude électorale et un nouveau scrutin est organisé. Il donne la victoire au libéral Viktor Yushchenko et les résultats montrent un pays scindé en deux. Sous l'impulsion du nouveau président, l'Ukraine entame un rapprochement avec son voisin occidental, l'Europe. Cette situation inquiète Moscou qui vient de vivre une année difficile. En 2004, 7 pays de l'ancien bloc de l'Est sont intégrés à l'OTAN. Et au même moment, l'Union européenne étend son influence en Europe de l'Est en incorporant 9 pays de l'ancien bloc soviétique entre 2004 et 2007. La Russie doit donc absolument maintenir son emprise sur l'Ukraine. Pour faire pression, Moscou augmente le prix du gaz qu'elle vend à son voisin, ce qui est un coup dur pour Kiev. L'Ukraine est donc affaiblie, mais reste courtisée à l'ouest comme à l'est et tente de maintenir de bons rapports avec ses deux voisins. En 2013, l'Ukraine est obligée de se positionner. À ce moment, Kiev s'apprête à signer un accord d'association pour favoriser ses échanges commerciaux avec l'Europe. Poutine, qui veut garder le pays dans sa sphère d'influence, lui propose un autre accord. Il met sur la table 15 milliards de dollars de prêts et une baisse d'un tiers des prix du gaz. Un argument important pour l'Ukraine qui achète plus de la moitié de son gaz à la Russie. Viktor Yanukovych, qui a finalement été élu 3 ans plus tôt, se retire brusquement des négociations avec l'Europe fin 2013 et accepte la proposition russe. Cette décision révolte les Ukrainiens europhiles. 10 ans après la révolution orange, ils occupent à nouveau la place de l'indépendance de Kiev. Il y a eu ce qu'on a appelé les révolutions de couleur, il y a eu la première révolution d'Ukraine, 2003-2004, puis il y a eu la Géorgie, puis il y a eu les printemps arabes, enfin il y a un certain nombre de grands mécanismes, au-delà même de l'Europe, qui ont dégradé la relation stratégique et les espérances côté russe que la fin de la guerre froide et la dissolution de l'URSS avaient fait naître. La Russie de l'après-guerre froide s'imaginait, enfin, reprenait conscience d'elle-même, reprenait conscience de sa nature européenne et s'imaginait, bien naïvement, qu'elle allait intégrer l'Europe d'une manière ou d'une autre. Et pourquoi pas même l'OTAN, c'était l'idée de Vladimir Poutine au tournant du siècle, quand il a pris ses fonctions. Or, que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé la poursuite de la politique américaine de containment de la Russie, la vieille politique classique de la guerre froide, par d'autres biais, en utilisant les Européens, par l'élargissement de l'OTAN et de l'Union européenne, qui a fait entrer une grande partie des anciens satellites de l'URSS à l'intérieur de l'UE. Et finalement, progressivement, l'Union européenne n'a pas su, n'a pas pu, n'a pas voulu, et n'a pas eu les hommes politiques et les hommes d'État pour le faire non plus, s'autonomiser géopolitiquement par rapport à ce bloc occidental qui était victorieux, qui se pensait tout puissant et qui n'a probablement pas vu venir la réémergence non seulement de la Russie, mais derrière elle, de ce qui est aujourd'hui son véritable rival ultime, qui est la puissance chinoise. Parce que si un visage connu, Bernard-Henri Lévy. Le philosophe français décrit cet épicentre de la contestation contre le président Yanukovych. Les Ukrainiens des campagnes, Ukrainians miss is sell. Des Ukrainiens tatars et des Ukrainiens de Crimée, Ukrainians tatars et is Krimu. Des Cosaques et des Juifs, Cosaques et Taïvrei. Les petits enfants des survivants d'Holodomor et les survivants de Babillard. Scène de guerre et d'insurrection sur la place de l'indépendance en plein cœur de Kiev.
où les combats ont eu lieu toute la nuit. Milliards de dollars. Les manifestants, qui quand même ne sont pas tout à fait des manifestants pacifiques comme on voudrait les présenter. Hein. Ce sont des gens casqués, même armés, puisque aujourd'hui, il y a 79 policiers qui sont blessés par balles ou par éclat de grenade. La police a pu prendre le contrôle de moins de la moitié de la place de l'Indépendance pour l'instant. Une nuit d'une rare violence au cœur de Kiev. Après une manifestation pacifique de 200 000 opposants pro-européens, plusieurs centaines de protestataires se sont attaqués aux forces de l'ordre. Ils ont criblé de pavés les policiers, lancé des cocktails Molotov, ils se sont emparés de fourgons de police, ils ont incendié au moins 5 autobus. Tout a commencé lorsque ces manifestants ont tenté de franchir un cordon de policiers qui bloquait l'accès au Parlement, non loin de Maïdan. Selon les services médicaux, 24 personnes ont été blessées et 3 hospitalisées. La police a chiffré à 70 le nombre de ces hommes blessés. Les forces de l'ordre ont répondu à coups de gaz lacrymogène et de matraques. Quelques protestataires ont été arrêtés. Près de 3 heures après le début des affrontements, la police a employé des canons à eau par moins 7 degrés, officiellement pour éteindre les incendies. Hier soir, le président Viktor Yanukovych a promis de créer une commission avec les représentants de l'opposition pour mettre fin à la crise politique. Les manifestants s'étaient mobilisés pour braver de nouvelles lois renforçant les sanctions à l'égard des manifestants mobilisés depuis début décembre, place de l'Indépendance, contre le refus d'accord d'association avec l'Union européenne. Washington a appelé à la désescalade de la situation et brandi la menace de sanctions. Les affrontements ont duré toute la nuit entre grenades assourdissantes, gaz lacrymogène et cocktails Molotov. La frange la plus radicale des manifestants n'est pas prête à jeter l'éponge. Ils attendent, semble-t-il, l'assaut final s'il doit avoir lieu. On attend aussi un quelconque résultat des négociations nationales et de l'intervention des diplomates américains. Di un negoziato e che la diplomazia faccia il suo lavoro lunedì. Sergio Cantone, Euronews. Vous, les Européens, vous sous-estimez la gravité de la situation. Et vous avez une lecture des événements naïve et très superficielle. La situation est très grave, car cette révolution traduit aussi une montée du fascisme. Avec un contexte social et économique qui rappelle celui des années 30. Avec des gens qui aujourd'hui en Ukraine font l'apologie d'Hitler et de l'Allemagne nationale-socialiste. La montée de l'extrême droite en Ukraine, c'est l'autre visage de la révolution. En première ligne sur la place Maïdan, ces milices paramilitaires patrouillent dans les villes, accueillies en libérateurs par la population, occupant les ministères, les administrations publiques et se substituant parfois à la police. Venues à l'origine des régions de l'ouest du pays, elles s'implantent désormais dans les bastions traditionnellement russophones comme Kharkov. Oleksandr est un milicien de Spilna Sprava, un mouvement dont la référence idéologique c'est Stefan Bandera, l'homme qui a orchestré le génocide d'un million de Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Pour lui, le nouveau gouvernement et la classe politique traditionnelle n'ont plus aucune légitimité. Pour lui, la révolution ne fait que commencer. Ce sont nos milices et celles du private sector qui pourront remettre le pays en ordre. L'OTAN en état de mort cérébrale, moi je veux bien qu'on m'explique, je pense qu'il ne l'a jamais été. Il y a eu justement la persévérance dans l'être de cette alliance et son renforcement et son agrandissement et surtout sa mise au pas idéologique sur le thème. L'Occident a encore une mission, entre guillemets, civilisatrice du reste du monde, n'est-ce pas? La démocratie, le marché, enfin toujours la même chose, qui ont certes d'immenses vertus, et d'ailleurs dont d'autres s'inspirent, mais il y a cette espèce de trend, de ligne idéologique complètement impérialiste, à vrai dire. Et là, on arrive sur un gros paradoxe. C'est qu'il a fallu créer un narratif pour permettre la poursuite de cet impérialisme. Et le narratif, il a été la morale. Que
les Américains avaient tout fait pour faire basculer l'Ukraine du côté occidental, et on l'a vu en particulier lors de l'affaire de la place Maïdan, ils avaient tout fait pour faire basculer sur le côté occidental, et à partir de ce moment du renversement du régime en place dans le cadre de Maïdan, de la place Maïdan, on a vu à ce moment-là les Américains directement, et même au plus haut niveau, on a vu le fils Biden devenir patron d'entreprise ukrainienne, ou du moins numéro 2 d'entreprise ukrainienne, mais on a vu aussi, dans le même temps, on a vu aussi les Américains à côté de leurs investissements directs, et il semblerait qu'il y en a eu beaucoup, y compris dans le domaine de la défense, on voit qu'à côté, il y a eu une aide considérable apportée par l'OTAN. Après la révolution, les détails qui m'avaient perturbé sont devenus plus visibles. Des détails passés inaperçus dans la chaleur du moment. Pas grand-chose. L'allure des émeutiers les plus farouches. Ces symboles mystérieux qui flottaient ici ou là. Une main jaune. Une drôle de croix. Et un trident rouge et noir. Qui étaient ces gens masqués ? Qu'étaient-ils devenus maintenant que les caméras avaient quitté l'Ukraine ? Le trident du secteur droit n'était pas l'unique symbole troublant qui venait parsemer les images de la révolution Maïdan. Aux côtés de leur drapeau rouge et noir surgissaient les bannières jaunes et bleues de la brigade Azov. Eux aussi saturaient Internet de leurs vidéos guerrières et ce fameux signe qui m'intriguait sur leur brassard. Il ressemble furieusement à celui de la division SS Das Reich, qui a massacré des civils de l'Ukraine jusqu'à Oradour-sur-Glane. Leur porte-drapeau aussi s'inspirait des nazis. Sur Internet, des photos se multiplient, inquiétantes. J'ai retrouvé le bataillon Azov, au nord de Kiev, dans une usine abandonnée. Changé de dimension. Ils ont abandonné les bâtons et les boucliers en bois. Ils manipulent maintenant de vrais fusils. À nouveau l'ambiguïté. Officiellement, cette brigade obéit à l'armée nationale ukrainienne. Et pourtant, nombre d'entre eux restent masqués. Leur chef est issu de la mouvance nationaliste radicale, mais il sait qu'il doit, pour des raisons diplomatiques, le dissimuler aux médias occidentaux. Dans les trois mois qui suivent la révolution de février 2014, la situation est explosive. Au sud, dans le grand port d'Odessa, vital pour l'Ukraine, les populations pro-russes commencent elles aussi à manifester. Et du gouvernement vient même les préparer à l'affrontement. À Odessa, le 2 mai 2014, à peine trois mois après la révolution, ces milices vont déraper très gravement. Расскажите, пожалуйста, что произошло в Одессе 2 мая 2014 года. Был сожжен дом профсоюза вместе с людьми, которые находились внутри, которые рядом находился лагерь русскоязычных, тех, кто протестовал против запрета русского языка. Просто украинские националисты автобусами приехали и разогнали русских активистов. И все, кто там были, даже женщины, кто хотел спрятаться, просто бежали там в дом для защиты. Никто не ожидал, что его просто возьмут и подпалят. Пытаясь спустить в эту армию, чтобы не гореть, не было прыгать. Dans l'est de l'Ukraine, ce jour de la victoire a été marqué par des manifestations des pro-russes. Comme ici à Donetsk, où environ 5000 personnes ont défilé au cri de non aux fascistes, une allusion à peine voilée aux autorités de Kiev. Ces hommes et femmes soutiennent la tenue du référendum d'autodétermination qui doit avoir lieu ce dimanche. Nous voulons la sécession de la République de Donetsk. C'est la première étape et ensuite on verra si on rejoint la Russie, mais pas l'Ukraine en tout cas. Nous donnons 80% de nos revenus au reste de l'Ukraine.
l'Ukraine et jusqu'ici nous avons vécu en paix. Mais à Kiev, les pro-Maïdan n'ont pas voulu attendre des élections légales et regardez ce qu'ils ont fait. Forte hausse des tensions séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Ce lundi, des groupes rivaux pro-russes et ukrainiens se sont affrontés devant l'administration régionale à Kharkiv. Hier, à l'issue de manifestations, le Parlement régional de Donetsk a été saisi par des séparatistes qui ont proclamé une république indépendante et demandé l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Le Kremlin a fait l'objet de nouvelles accusations de la part du gouvernement ukrainien. Chers citoyens d'Ukraine, a déclaré le président, hier, la deuxième étape de l'opération spéciale russe contre l'Ukraine a commencé. Les ennemis de l'Ukraine essaient de répéter le scénario de Crimée, mais nous n'allons pas les laisser faire. Hier, une cellule de crise a été mise en place et une opération antiterroriste va commencer contre ceux qui ont pris les armes. C'est à Donetsk que les événements inquiètent le plus. Dans cette ville industrielle russophone, un commando d'hommes armés a tenté ce lundi de prendre le contrôle des bureaux de la télévision régionale, mais il en a été empêché par la police. Un mois de la présidentielle en Ukraine, l'indépendant Petro Poroshenko a le vent en poupe. Le candidat est notamment soutenu par Vitali Klitschko, ici à l'image, qui s'est lui-même retiré de la course et fait désormais campagne pour la mairie de Kiev. Le scrutin aura lieu le même jour. Selon un sondage publié ce mercredi, Poroshenko pourrait presque l'emporter dès le premier tour, une analyse que partage cet expert Vitali Teslenko. Poroshenko est le candidat en qui les électeurs ont le plus confiance, dit-il, et ce, dans l'ensemble des régions mises à part à l'est, à Luhansk ou Donetsk. Là-bas, les gens n'ont pas encore décidé qui ils allaient soutenir. Le roi du chocolat favori de la présidentielle ukrainienne, le milliardaire Petro Poroshenko, a plus de 20 points d'avance sur sa principale rivale, Yulia Tymoshenko. Le scrutin aura lieu dimanche sous haute surveillance. 75 000 hommes seront déployés pour assurer la sécurité. Et quelles que soient les tensions, les militants de Maïdan comptent bien aller remettre le bulletin pour lequel ils se sont tant battus, à l'image de Victor, qui votera à Kiev. Nous irons voter, c'est sûr, dit-il. Nous voulons continuer à faire passer le message du peuple. Nous ne plierons plus maintenant que nous avons repris le pouvoir et retrouvé notre dignité. Je suis originaire de Sloviansk, dans la région de Donetsk. Je ne suis qu'en visite à Kiev, explique Katia. Même s'il nous a été interdit de voter dans nos villes, moi et ma famille, nous espérons aller dans la région de Kharkov pour y voter. Les séparatistes des régions de Lugansk et de Donetsk ont en effet promis d'empêcher le déroulement du scrutin dans l'Est, où près de 2 millions d'électeurs pourraient avoir des difficultés à se rendre aux urnes. Petro Poroshenko se déclare vainqueur de la présidentielle ukrainienne avant même la publication des résultats officiels. Selon les sondages de sortie des urnes, hier, le milliardaire pro-occidental aurait remporté près de 56% des suffrages. Alors que le boxeur Vitali Klitschko, figure de la révolte de Maïdan, est élu maire de Kiev, Poroshenko se fixe comme priorité de mettre fin au soulèvement pro-russe dans l'est du pays. L'Ukraine est en guerre, dit-il. L'Ukraine fait actuellement l'objet d'une agression. Chaque nuit, des soldats ukrainiens donnent leur vie pour restaurer l'ordre et la paix dans l'est du pays. En tant que président, mais aussi en tant que futur commandant en chef des armées, je ferai de mon mieux pour défendre le peuple ukrainien, pour amener la sécurité et la paix. To defend Ukrainian people, to bring security and to bring peace.
Si les résultats des sondages se confirment, Porochenko sera élu dès le premier tour. Arrivée seconde du scrutin, Yulia Tymoshenko n'obtiendrait que 13% des voix. Je suis convaincue que mon équipe et moi-même ferons tout notre possible pour aider le gouvernement à construire un État fort et que nous aurons un référendum sur l'appartenance de l'Ukraine à l'OTAN pour défendre une adhésion à l'Union européenne pour une sécurité et une défense collective à travers le monde, dit-elle. Près d'un millier de mineurs ont manifesté aujourd'hui contre l'opération antiterroriste menée depuis lundi par l'armée ukrainienne. C'est une manifestation contre cette soi-disant opération antiterroriste, mais nous préférons l'appeler l'opération anti-peuple, car elle tue des gens et fait souffrir les citoyens. Il n'y a pas de séparatistes ici, seulement le peuple du Donbass. Au loin, près de la gare de Donetsk, des tirs d'artillerie et une colonne de fumée noire. Nous aimons notre patrie, nous aimons notre pays. Mais aujourd'hui, nous ne faisons plus confiance à notre gouvernement. Ils nous ont rejetés, ils refusent de nous écouter. Après plusieurs heures de bombardement par l'armée ukrainienne, ce rebelle nous conduit dans un petit square et nous montre le cratère causé par un tir de missile. Vladimir, lui, nous raconte comment il s'est jeté au sol lorsqu'il a reconnu le sifflement du bombardement. J'ai peur, je veux la paix. Si c'est l'armée ukrainienne, alors elle devrait plutôt défendre le peuple. Moi, je suis ukrainienne, mais maintenant, j'ai honte de le dire. L'armée du Sud recrute. Les habitants se pressent au pied de cet immeuble pour un cours en plein air de maniement de Kalachnikov. Et si tu mets ça comme ça, tu peux tuer quelqu'un. On ne veut pas faire la guerre, mais il vaut mieux savoir s'en servir. Tout simplement au cas où, pour se défendre, pour protéger sa vie. Dans ce camp retranché en plein centre-ville, hommes et femmes s'entraînent. Seule condition pour s'inscrire dans cette nouvelle armée citoyenne créée par le gouverneur séparatiste, être de la région et avoir plus de 18 ans. J'aime ma patrie, mon Donbass, et je veux combattre pour défendre tout ça, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et si on me tue, eh bien ce sera le destin. Tous l'affirment, ils sont prêts à se battre contre le gouvernement de Kiev. En ce qui concerne mon fils, il a déjà pris les armes. Et s'il le faut, il en prendra une dans chaque main. Et même moi, s'il le faut, je jetterai des cocktails Molotov. Un mois qu'ils occupent ce parc, et ces trois derniers jours, la situation s'est encore dégradée, car l'armée ukrainienne mène l'assaut sur d'autres villes séparatistes. Alors parfois, le moindre geste du quotidien est vite interrompu. Des coups de feu viennent d'éclater à l'entrée du campement. Cet homme au pull clair a été blessé par balle à la jambe. Et ici, on se soigne avec les moyens du bord. Je n'ai pas vu qui a tiré. On dit que ça vient d'un balcon. Dans le campement, le bruit court que l'armée ukrainienne ne serait pas bien loin. La ville serait au bord de la guerre civile. Les événements d'Odessa ont marqué les esprits, alors on prie pour se préparer au pire. Le nouveau président Porochenko et son premier ministre, le jeune banquier Yatsenyuk, sont des vétérans de la politique ukrainienne. Quoi de neuf alors? La nouveauté, c'est un gouvernement qui a coupé ses liens avec la Russie et s'est tourné vers les Américains. Symbole de ce rapprochement, la ministre des Finances, Nathalie Yaresko, c'est une ancienne diplomate américaine. Elle a dû se naturaliser ukrainienne pour prendre ses fonctions. Les États-Unis sont un des plus grands alliés de l'Ukraine dans son combat pour la liberté et l'indépendance. Une grande coalition pour pousser l'Ukraine encore un peu plus vers l'Ouest et vers l'OTAN. C'est la nouveauté politique de ce vendredi. La concrétisation d'une alliance entre les cinq partis pro-occidentaux gagnants des législatives du 26 octobre. Si Arseniy Yatsenyuk reste Premier ministre, le gouvernement en entier va être remanié. Alors que Joe Biden, vice-président américain, est venu fêter le premier anniversaire des événements de Maïdan, le président ukrainien a lui redit sa volonté de lancer des réformes permettant à l'Ukraine de demander en 2020 une adhésion à l'Union européenne.
Au centre de Kiev, ils étaient nombreux à vouloir célébrer le mouvement populaire qui, il y a un an, fit tomber, non sans effusion de sang, le gouvernement pro-russe de l'Ukraine. Nous ne regrettons pas cette révolution, dit cette femme, mais nous voudrions que les autorités se souviennent des personnes qui sont mortes ici. Nous les avons portées au pouvoir, mais ils ne font rien pour nous et les parents de ces gens qui sont morts. Alors que le président Porochenko participait aux cérémonies, des parents des combattants pro-Maïdan se sont en effet bruyamment manifestés, demandant justice enfin pour leurs proches. Près d'une centaine de manifestants avaient été tués lors des violences à Kiev. Les gens venus à Maïdan en novembre 2013 voulaient un tout nouveau gouvernement. Depuis, ils ont eu un nouveau président et un nouveau parlement. Plus de la moitié des députés ont changé. Mais la population attend toujours des réformes radicales et la mise à l'écart de certains politiciens. C'est pourquoi beaucoup pensent que la révolution n'est pas encore terminée. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Ви маєте стати отими героями, які сьогодні будуть захищати оту землю, на якій ми стоїмо. Вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з житвою і з іншою нечистю, яка хотіла забрати. Puis, serrant la main du vice-président américain Joe Biden. Ou encore, près de la responsable américaine pour l'Ukraine à la Maison Blanche, la dame au petit pain. Victoria Nuland.